Yo tout le monde, c'est Esprod, j'espère que vous allez bien les gars. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour un nouveau wall breach. Donc en quoi il consiste? C'est pour rentrer dans la base militaire, enfin pas dans la base militaire, mais dans la tour de contrôle de la base militaire. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc dans un premier temps, vous devrez prendre la police et prendre la police ferme les yeux. Comme ça vous pouvez rentrer dans la base militaire sans avoir la police. Ensuite c'est très simple, vous devez venir au même endroit que moi, donc c'est ici sur la map, voilà. Ensuite vous mettez ici et la sauter, et ensuite mettre un coup de poing. Et voilà, comme vous avez vu, je suis rentré dans la base, dans le contrôle, voilà. Et voilà, donc ensuite, une fois que vous êtes rentré, vous avez pu voir que ce n'était pas texturisé. Donc dans un premier temps, vous devrez directement appuyer sur carré, ou sinon demander à un pote à vous qu'il vous mette un coup de batte de baseball. Ça va vous faire un petit bug, et en fait ça va vous texturiser en fait toute la base de contrôle. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc après vous pouvez voir que voilà, tout marche, l'ascenseur, les escaliers, voilà, ici les escaliers. Voilà, donc ensuite vous pouvez visiter, hein. Il y a plusieurs salles, donc une salle de cours, voilà. Voilà. Donc voilà, donc je vous reprends une fois qu'on est arrivé en haut de la base militaire, parce qu'il y a 6 étages. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve comme prévu tout en haut de la base militaire. Enfin, de la base militaire, la tour de contrôle de la base militaire. Donc comme vous pouvez le voir, on a une grande vue sur la piste. Donc voilà, c'est vraiment une reproduction parfaite des contrôleurs aériens. Donc comme on peut voir, on voit là les USA avec un radar. Donc là, la tour, la base de contrôle, là je pense que ça doit être ça. Et plein de trucs comme ça. Et donc voilà, donc c'est vraiment un truc vraiment super à faire avec vos potes pour vous taper des barres. Donc attendez, si on descend un étage plus bas, oula. Si on descend un étage plus bas, il y a encore une autre pièce. Donc je vais aller voir ça avec vous. Donc là, hop, un petit ordinateur sur le côté. Alors on va descendre. Voilà, donc ça doit être cette porte là. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est informatique. Voilà, c'est les serveurs de la base de contrôle. Enfin, de la tour de contrôle. Et ensuite, quand on va de l'autre côté, hop, c'est ici. Vous pouvez voir une autre pièce avec plusieurs dossiers, enfin plusieurs trucs, plusieurs bureaux. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc des jumelles pour surveiller la piste. Donc on va vite faire remonter tout en haut une fois que je vous ai fait visiter tout ça. Voilà. Donc je remonte tout en haut si mon personnage veut bien. Voilà, donc au passage je fais une petite dédicace à Rider Complot, Wasitom et à Paco. Voilà les gars. Voilà, donc on a une super vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la piste d'atterrissage et de décollage de la base militaire. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai 4 étoiles. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici? Enfin voilà, je pense que je vais vous laisser découvrir ensemble. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.